Voilà, bonjour à tous. Donc je rappelle ici rapidement comment on calcule le champ électrique créé par une charge QA en un point grand P ici. Donc j'imagine qu'en ce point grand P, je place une charge petit q positive. Et alors je détermine la force exercée par QA sur petit q. Donc c'est la loi de Coulomb qui va me donner ça. Q étant positive et QA étant positif. Bah, cette force, ça va être une force répulsive et donc je peux la représenter par une flèche comme ça. Et alors, le champ électrique, c'est aussi une grandeur vectorielle et donc cette grandeur vectorielle aura la direction et le sens, la même direction et le même sens que la force exercée par QA sur Q. Donc le champ électrique en tant que vecteur, donc ce sera représenté par une flèche qui est ici comme ça. D'accord? Hein, et encore une fois, pour déterminer ce vecteur, la direction et le sens du champ électrique créé par QA en Q, en P, pardon, j'imagine une charge petit q positive en P, et je vois à quoi ressemble la force. Je détermine la direction et le sens de la force exercée par QA sur petit q positif, et je peux en déduire la direction et le sens du champ électrique créé par QA au point grand P, hein, le point grand P sur lequel j'ai mis la charge petit q. D'accord? Et pour calculer l'intensité du champ électrique, ben je peux commencer par calculer l'intensité de la force créée par QA sur petit q. Hein, ça, c'est la loi de Coulomb qui me le donne. Et en fait, ben je divise cette force par petit q. Donc, vous voyez, comme ça, petit q ici va disparaître. Et j'obtiens l'intensité du champ électrique créé par QA en petit p. Donc, cette intensité dépend à la fois de la valeur de la charge électrique QA. Et elle dépend aussi de la distance, hein, du point P à l'endroit où se trouve cette charge que j'imagine ponctuelle, hein, une charge électrique que j'assimile à un point situé à cet endroit-là. D'accord? Et je remarque donc que l'intensité du champ électrique ne dépend que de la distance du point à la charge. Hein, donc le champ électrique créé par une charge ponctuelle a une symétrie sphérique. Si j'imagine une sphère centrée là où se trouve la charge QA, eh bien, tous les points sur cette sphère auront la même intensité de champ électrique, mais évidemment, ils auront la direction, hein, et donc la direction du champ électrique sera différente en chaque point de cette surface sphérique, bien sûr, hein. Donc, si vous voulez, si je m'amuse à dessiner des lignes de champ électrique, bon, en fait, oui, donc, je vais garder le stylet ici et je vais descendre de l'ascenseur. Donc, si vous imaginez la charge, je redessine ici la charge QA. Si je me place, imaginez donc une sphère. Donc, là, évidemment, je ne sais pas dessiner une sphère, mais imaginez un cercle, hein, dans le plan ici. Tous les points qui vont être donc à une même distance ici de QA, ils auront une même valeur de champ électrique. Et ce champ électrique, en fait, si je le représente, donc QA étant positif, ça va me donner un champ électrique qui est, vous voyez, à chaque fois, hein, donc à chaque fois, il faut imaginer, hein, une droite que je prolonge ici, et j'ai donc mon champ électrique. Alors, toujours avec la même longueur, hein, même longueur et même, puisque l'intensité du champ électrique est la même en tout point de mon cercle ici, hein, de la sphère que je considère. Vous voyez? Donc, tout ça, hein, c'est le champ électrique créé par QA au point ici à chaque fois, hein, au point qui est là, au point qui est ici, au point qui est ici. Hein, donc la flèche qui est ici représente le champ électrique créé par QA au point que je pourrais appeler ici P1. Au point P1. Hein, si j'appelle ce point P2, ici j'ai le champ électrique créé par QA au point P2. Donc la flèche est la même longueur ici et ici, mais évidemment, hein, la direction dépend de l'endroit où se trouve le point. Et voilà. Donc si j'imagine ici une charge positive, hein, si je me répète un petit peu pour bien comprendre, si vous placez une charge positive ici, petit q, positive, ben, la force créée par QA sur petit q, ben, elle sera donc égale à q fois le champ électrique créé par QA en P. D'accord? Hein, c'est ça qu'il faut bien retenir. La force électrique, donc, créé par QA sur la charge petit q, c'est q fois la valeur du champ électrique créé par QA
en P. D'accord? Voilà. Et alors, si Q est négatif, hein, si vous placez ici une charge petit q négative, je vais changer de couleur, je pense à celle-là. Si vous placez ici une charge petit q négative, eh bien la force électrique exercée par QA sur petit q sera évidemment cette fois. Imaginez que ce point, je l'appelle P3. P3. Comme Q ici est négatif, le vecteur force sera de sens contraire, aura le sens opposé à celui du champ électrique, d'accord? Donc si vous avez le champ électrique ici créé par QA au point P3, ben, si vous placez maintenant une charge petit q négative en ce point, elle va subir une force F de QA sur petit q qui est égale à Q fois le champ électrique, hein, donc ici, hein. Si vous voulez, on va prendre des couleurs. Donc en bleu, c'est ce vecteur-là. C'est le vecteur champ électrique créé par QA au point P3. Et alors, la force électrique. D'accord? La force électrique ici. Créée par QA sur Q. Eh bien, je la retrouve là. Donc c'est un vecteur qui va être opposé. Et qui va être en fait multiplié, ça va être le vecteur champ électrique multiplié par petit q. D'accord? Donc ça, c'est important d'avoir compris ça. Voilà. Ok. Donc on va passer, ben, on va voir un petit peu la suite du cours. Donc si je reprends, hein, le début ici, voilà, par définition, hein, le champ électrique, voilà. En chaque point de l'espace, on associe un vecteur champ électrique grand E. Telle qu'une particule de charge petit q placée en ce point, y subit une force électrique, F électrique, grand E ici pour électrique, égale Q fois grand E. Il faut bien comprendre que ce champ électrique grand E ici créé un point de l'espace, il va dépendre de toutes les charges électriques existantes situées ailleurs qu'au point que je considère. D'accord? Évidemment, les charges électriques qui sont situées proches de ce point vont davantage influencer la valeur de grand E en ce point qu'une charge qui est située dans une autre galaxie, d'accord? Voilà. Mais il faut bien comprendre que le champ électrique en un point dépend finalement de toutes les charges électriques existantes en dehors de celles qui se trouvent en ce point-là, d'accord? Et par le principe de superposition, hein, donc il va falloir faire la somme de tous ces champs électriques. Hein. En fait, une charge électrique, initialement, c'est quoi les charges électriques? Ce sont les électrons et les protons, hein, les protons, hein. Finalement, hein, les charges électriques, c'est les électrons et les protons, hein, qu'on peut assimiler à des points. Et il faudrait considérer tous les électrons et tous les protons, les protons, donc assimilés à des points, calculer le champ électrique créé par ces charges ponctuelles, par toutes ces charges ponctuelles au point que je considère. Donc ça ferait comme on vient de faire maintenant, hein, pour QA, hein, et donc faire la somme de tous ces champs électriques pour trouver donc le champ électrique total au point grand P. Alors le champ électrique, ben, c'est quoi l'unité, hein? Ben, vu que la force est en newton, que la charge électrique c'est en coulomb, ben, le champ électrique ici, ces unités, ça va être des newtons divisés par des coulombs. Hein, d'accord? Puisque quand je vais faire donc le champ électrique, hein, qui est là, hein, le champ électrique ici, grand E, ça va être des newtons par des coulombs. Ici j'ai la force. Ici, j'ai la charge, le champ électrique. Voilà. Alors, par temps clair, on observe à la surface de la Terre un champ électrique donc, qui va environ 100 newtons par coulomb, qui est vertical et dirigé vers le bas. Alors là, voilà. À quoi c'est dû, ça? C'est dû au fait que à la surface de la Terre, globalement, la Terre est chargée négativement. D'accord? Donc, si je représente la Terre, alors, localement, hein, si je représente la Terre, ça va être une surface horizontale. Alors, on sait évidemment qu'en réalité, cette ligne ici, bah, c'est une ligne circulaire, d'accord? Hein, puisque la Terre est une sphère. Mais si je reste sur une distance relativement courte, on peut assimiler cette ligne à une droite. Et donc, j'observe la surface de la Terre. Donc, ça, j'ai la Terre ici. Hein, en dessous ici, bah, si je creuse, je vais ici vers le centre de la Terre.
Et j'observe une charge électrique, un champ électrique. On observe un champ électrique. Je vais changer de couleur. Voilà, en rouge. Donc comme ça, dirigé vers le centre de la Terre, donc vertical, hein, d'accord. En réalité, hein, ces trois vecteurs champ électrique que je dessine identiques ne le sont pas dans l'absolu, puisqu'ils sont tous dirigés vers un même point qui est le centre de la Terre. Mais encore une fois, localement, je peux négliger ce truc-là et considérer qu'ils sont parallèles, d'accord. Sur une distance d'une centaine de mètres, on peut négliger, hein, le fait que la Terre est une sphère et considérer en fait que ici j'ai bien une ligne rectiligne et que le champ électrique en chacun des points ici, hein, est donc vertical vers le bas. Donc si je prends un point ici, hein, pareil, le champ électrique sera vertical vers le bas et de même longueur, hein. En fait, il est constant et il vaut 100 newtons par coulomb, quelle que soit la hauteur à laquelle je me situe. En étant évidemment raisonnable, hein, sur quelques centaines de mètres, là encore, hein, on raisonne à quelques centaines de mètres près. Ok? Voilà, donc globalement, c'est ce qu'on va appeler un champ uniforme, un champ électrique uniforme, puisque la valeur du champ électrique grand E est identique, quel que soit le point sur lequel je vais me placer, hein, donc dans cette région de l'espace, d'accord? Quel que soit le point considéré dans cette région de l'espace, j'ai un champ électrique constant, vertical, dirigé vers le bas, qui vaut 100 newtons par coulomb. Et ce champ électrique, il est créé par les charges électriques qui se trouvent à la surface de la Terre. Alors, ça, on verra. Donc, les charges électriques sont forcément à la surface de la Terre, hein. Enfin bon, je ne vais pas entrer trop dans le détail là-dessus, mais globalement, voilà. Et alors, quel est le signe de ces charges électriques selon vous? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? D'après vous, les charges électriques portées par la Terre ont quel signe? Elles sont positives ou négatives? Connaissant donc l'allure du champ électrique créé par ces charges. Est-ce que la Terre est chargée négativement ou est-ce qu'elle est chargée positivement? Je Oui? pense qu'elle est chargée négativement. C'est très bien. Elle est chargée négativement. Et pourquoi tu penses ça? Il suffit d'imaginer une charge positive. Et on voit bien que si on met une charge positive donc au voisinage de la surface de la Terre, elle va être attirée, hein, la force qu'elle va subir. Si je mets une charge positive ici, ben, la force électrique, ça va être grand F égale Q fois grand E, d'accord? Comme Q est positif, grand F va avoir la même direction et surtout le même sens que grand E. Donc on est bien d'accord que la force va être dirigée vers le bas. Si Q est positif, c'est que la charge qui est aux environs de la Terre ici est négative, hein, puisque c'est deux charges de signes contraires qui vont s'attirer. Donc c'est bien ça, hein, la surface de la Terre est chargée négativement. Alors globalement, vu de l'espace, hein, la Terre est évidemment neutre, mais c'est parce que dans l'atmosphère, il y a des zones qui sont, elles, chargées positivement. Et donc globalement, si on se situe suffisamment loin de la Terre, on voit un objet qui est neutre. Et donc il n'y a aucune influence électrique en réalité, mais en réalité en fait il y a comme ça, donc il y a finalement ce qu'on pourrait appeler un condensateur. Nous sommes dans un condensateur, il y a la Terre qui est chargée négativement et l'atmosphère qui est chargée positivement. Il y a une région de l'atmosphère qui est chargée positivement, et donc globalement on est dans un champ électrique créé par ce phénomène-là qui est vertical et vers le bas et qui vaut environ 100 newtons par coulomb au voisinage de la surface de la Terre. D'accord? Mais vous avez dit que si on s'éloignait de la Terre, c'était neutre. Oui. Mais quand on se rapproche, c'est positif, c'est ça? En fait, quand tu te situes au voisinage de la Terre, donc le champ électrique vaut ça, et en fait tu as en dessous de toi des charges électriques et au-dessus de toi des charges positives, d'accord? Tu es entre des charges négatives et des charges positives. Mais si tu prends une navette spatiale et tu sors de l'atmosphère, et tu vas sur la Lune par exemple, ou tu vas à quelques centaines de kilomètres du centre de la Terre, et ben là tu vas dépasser cette zone positive, tu vas sortir de l'atmosphère, et donc ben, tu seras dans l'espace. Et si tu observes la Terre et que tu considères que la Terre c'est à la fois ben, la surface de la Terre et l'atmosphère, ben là tu as quelque chose qui est neutre. D'accord? Okay. Tu comprends? Voilà. Oui. Voilà.
tout simplement. Alors, on vous pose une question. Comparez la force électrique grand FE et la force gravitationnelle agissant sur un électron. D'accord? Donc, on va essayer de répondre à cette question-là. Donc, je vais insérer une nouvelle page. Voilà. Donc, alors je refais le petit dessin. On a donc ici la Terre. On a un petit électron ici. Alors les électrons, bah, je vais l'écrire comme ça, l'électron. Je vais le dessiner comme ça. Alors on sait que le champ électrique en ce point-là, il est vertical vers le bas. Et on sait que grand E, son intensité, c'est 100 newtons par coulomb. D'accord? Alors quel va être donc si je prends du bleu par exemple, quelle va être la force exercée par la Terre finalement? Enfin, oui, c'est à la fois la Terre et, si on veut tout être tout à fait précis, hein, c'est la Terre et puis les charges positives qui sont quelque part par là, vous voyez. Dans l'atmosphère, j'ai les charges positives. Ici, j'ai les charges négatives. Donc toutes ces charges-là, hein, c'est l'ensemble de ces charges-là qui crée le champ électrique grand E ici. Hein, d'accord? Et donc la force exercée par toutes ces charges électriques, donc on pourrait écrire Terre et atmosphère, d'accord? Oh, attendez, je vais faire ça mieux parce que là, on est en train de. Je suis en train de. La force électrique totale exercée sur l'électron, on peut écrire ça comme ça, d'accord? Total. Hein, total, c'est-à-dire ça et ça. C'est ça le total. La force électrique créée donc par ces charges plus et moins ici. La force électrique totale créée par ces charges plus et moins sur mon électron ici, ben ça va être égal à la charge de l'électron. Donc la charge de l'électron, c'est moins E, hein, petit e étant égal à 1,6 10 moins 19 coulombs. C'est la charge électrique élémentaire. Hein, vous savez que finalement, hein, les charges électriques, c'est les protons et les électrons hein, à notre échelle. Et donc, ça va être donc, ça c'est petit q, hein, ça c'est petit q, fois le champ électrique grand E. D'accord? Et alors, bah, tout simplement, ça va me donner quoi ça? Ça va me donner l'intensité donc de cette force totale exercée sur mon électron, hein, que je note E moins. Ça va être égal à moins. Alors, encore une fois, hein, si je calcule l'intensité, hein, on peut mettre des valeurs absolues, hein, puisque une intensité, ça va être positif. Hein, donc voilà, donc ça va être positif, tout simplement. Fois le champ électrique, donc ça va être 100 newtons par coulomb. Vous voyez, vous avez juste à faire ce calcul-là. Hein, et donc ça va faire plus. Hein, puisque c'est encore une fois, hein, je considère que l'intensité est une valeur positive, ça va être égal à 1,6 10 moins 17 newtons. D'accord? Donc ça, c'est la force électrique créée, donc enfin subie par l'électron à la surface de la Terre. Ça va? Du fait du champ électrique créé par donc la Terre, hein, cette séparation de charges qu'on a au niveau de la Terre entre les charges négatives sur la surface de la Terre et les charges positives au niveau de l'atmosphère. D'accord? Et donc cette séparation de charges me crée un champ électrique donc au voisinage de la surface de la Terre. Et donc l'électron va subir une force. Alors cette force, si je la dessine, hein, puisque là je n'ai fait que calculer son intensité, si je la dessine, elle va être comment cette force? Bon, je vais dessiner en bleu toujours, hein. Ben, elle va être verticale vers le haut, hein, d'accord? Donc ça, c'est grand F total sur mon électron. D'accord? Elle va être vers le haut, puisque petit q, hein, petit q ici,
il est négatif. D'accord? C'est moins E. C'est l'opposé de la charge électrique élémentaire. Donc ça, c'est la force électrique subie par l'électron. Alors si je veux connaître son poids finalement, hein, puisque je veux comparer donc cette force électrique qui est vers le haut au poids de l'électron. D'accord? Alors pour le poids de l'électron, ben, la formule, je vais repartir donc de la formule de la loi de la gravitation de Newton. Et alors, bon, on peut faire ça, on va faire ça plus rapidement, hein, puisque je vais quand même aller un peu plus vite, puisqu'il nous reste 10 minutes. Donc, finalement, ce qu'on pourrait appeler, c'est la force gravitationnelle sur l'électron. D'accord? Donc je vais calculer son intensité, hein, sachant que c'est le poids, hein, c'est le poids de l'électron, donc on est bien d'accord que son poids va être dans ce sens-là, comme ça, hein, d'accord? Ça va être ça, hein, la force gravitationnelle sur l'électron, ça va être une force verticale vers le bas. Alors, je ne vais pas dessiner ce vecteur à l'échelle, hein, d'accord? C'est pas du tout la même. J'ai fait ici une longueur à peu près égale à la longueur du vecteur bleu, mais c'est faux, hein? On ne sait pas encore quelle est sa valeur. Alors, pour la dessiner, donc pour la calculer, cette longueur, bah, il faut calculer donc son poids. Bah, son poids, ça va être quoi? Bah, il faut connaître la masse de l'électron. Et on va utiliser mg, hein, on va utiliser directement la formule m fois g, hein, puisque alors la masse de l'électron, je crois que c'est 9,1110 exposant moins 31 kg. On peut vérifier sur Internet rapidement. Hein. Masse et électron. Neuf virgule onze, 10^31 kg, c'est bien ça. Fois petit g. Petit g, vous savez que c'est égal à 9,81. C'est quoi l'unité de petit g d'ailleurs? Donc là, ici, j'ai des kilos. Ici, j'ai des newtons. Et donc, bah ici, j'aurai forcément des newtons divisés par des kilos. D'accord? C'est aussi une accélération, hein. C'est aussi des mètres secondes au carré. D'accord? C'est des mètres par des secondes au carré. Mais bon, peu importe. Et donc, ça donne combien ça? On a une équivalence entre les newtons divisés par des kilos et des mètres divisés par des secondes au carré. Et alors ça donne quoi? Bah, si je prends, je vais utiliser ma calculatrice. Prends Python par exemple. Je me sers de Python comme calculatrice. Donc 9,11, 9,11 fois 10 exposant moins 31 multiplié par donc 9. 0,81, ça donne 8,94 10 moins 30. 8, j'ai dit quoi? 8,94 10 moins 30 newtons. Et vous voyez que, évidemment, hein, il y a un rapport 10 exposant. Donc imaginez, hein, enfin, donc vous voyez, ça fait un rapport. Si je dis que ça, cette force-là, c'est environ 10 moins 29 newtons, hein, puisque j'ai 8, je dis que c'est 10 à peu près. Je dis que cette force-là, c'est environ 10 moins 17. Vous voyez qu'il y a un rapport de 10 exposant 12 entre les deux, c'est-à-dire 1000 milliards. Hein, 10 exposant 12, ça nous fait même plus, hein, 10 000 milliards un rapport de 10 000 milliards entre la force électrique et la force gravitationnelle. Donc vous voyez que le poids, hein, le poids de l'électron est complètement négligeable par rapport à la force électrique qu'il subit du fait de l'influence de la Terre. D'accord? Voilà. C'est en gros ce que nous demandait de calculer, de montrer l'exercice. Et donc en réalité, hein, si je dessine le vecteur force ici, le poids donc de l'électron, c'est un vecteur qui va être d'une longueur très très petite par rapport à cette longueur-là. Ok? À la limite, on ne va même pas pouvoir le dessiner. Si je dessine la force électrique exercée par la Terre sur l'électron de cette longueur-là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce cours-là. Donc,
Voilà, bien retenir, hein, le lien entre la force électrique et le champ électrique, hein, grand F égale Q fois E. D'accord? Et bien retenir que le champ électrique, il est créé par toutes les charges électriques situées autour du point en lequel je détermine le champ électrique. Et évidemment, hein, quand je suis à la surface de la Terre, les charges électriques qui vont influencer la valeur du champ électrique en ce point, c'est les charges électriques qui se trouvent sur la Terre, qui sont essentiellement négatives, et les charges électriques qui se trouvent dans l'atmosphère, qui elles sont essentiellement positives. D'accord? Et c'est la somme de toutes ces charges-là qui va donc me créer. Hein, c'est la somme de toutes ces charges électriques qui existent aux environs de la Terre qui va me créer le champ électrique en ce point ici. D'accord? Alors évidemment, si après je vais approcher un objet chargé électriquement proche de ce point-là, son influence va être beaucoup plus grande que les charges réparties de façon uniforme sur la Terre et dans l'atmosphère. Et donc, il y aura ici un champ électrique qui sera beaucoup plus grand que 5 newtons par coulomb, créé par le dispositif que je vais mettre ici, hein, qui sera composé de charges électriques. D'accord? Mais si globalement, il n'y a rien, hein, il n'y a rien de particulier autour de ce point-là, eh ben, vous allez obtenir un champ électrique de 100 newtons par coulomb, créé par donc l'ensemble des charges électriques situées donc sur la Terre et dans son atmosphère. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là.